à partir de cette histoire que j'ai vécue, c'était aussi une manière de pointer du doigt les problèmes de la psychiatrie classique aujourd'hui. Je m'appelle Aïdé Sabéran, je suis journaliste à 21 et dans le dernier numéro de 21, j'ai écrit « Retour chez les fous ». Je suis fille de psychiatre et donc j'ai grandi vraiment toute mon enfance dans une clinique psychiatrique. Et c'était une clinique très particulière avec une façon de travailler très ouverte, sans blouse blanche, sans mur d'enceinte. Et donc 40 ans plus tard, j'ai eu envie d'y retourner pour savoir ce que c'était devenu d'abord. Et puis ensuite pour en profiter pour raconter ce que c'était que cette enfance. Je pensais que la psychiatrie avait bien évolué. Je la connaissais pas si bien que ça, la psychiatrie française. Et je me suis rendu compte en discutant avec les patients à quel point aujourd'hui la psychiatrie en France est une catastrophe. Pourquoi j'ai choisi de raconter ça dans 21 ? D'abord, j'ai de la place en fait dans 21. Et là, j'avais besoin de place parce qu'il fallait à la fois que je raconte ce qui s'est passé quand j'étais gamine et puis ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est quand même du journalisme. Et ce que permet 21 aussi, c'est de dire je, c'est de parler à la première personne, ce qu'on ne fait pas souvent quand on est journaliste. Et j'ai beaucoup aimé le travail de l'illustratrice Juliette Lagrange, qui correspond en fait à la poésie des lieux. Rejoignez l'aventure 21.